mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue dans la suite de nos aventures dans tout. Alors, on avait toujours notre moteur sacré à réparer et on avait réussi à récupérer la clé à molette de Joncle. Il nous fallait récupérer le marteau du négociant. Donc, on a réussi à récupérer deux tickets et on sait qu'il faut qu'on en récupère un troisième. D'ailleurs, ça nous a pas activé ça dans le bon sens. Parce que j'ai bien deux tickets. On verra si ça pose souci. On va aller de l'autre côté. Peut-être tout simplement que comme on les a pas fait dans le bon ordre, comme ils considèrent premier, deuxième, troisième. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de samouraï qui nous fait, bah, comme la dernière fois avec la chouette, qui fait le guet. On a cette chose-là dont on ne sait pas ce que c'est. On a... Ok, il nous a vu et en fait on s'est fait éjecter. Très bien. Ah! Ok, oui, mais après je fais quoi? Parce que... avoir deux super grappins de la mortitude. Comment je redescends? Ah, c'est intéressant ça. Comment je redescends? Ok, j'ai pu redescendre, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, on peut s'accrocher. Ok, je vais voler ça tranquillement. On va essayer de grimper. Quoi, du coup je descends pile au moment où il passe. J'imagine qu'il faut que je le suive. Et je vais un peu dans l'os là. Ah, il m'a vu. Logique. Comment faire? On sait qu'on peut grimper là et qu'on s'agrippe ici et que je vois absolument aucun moyen de redescendre ailleurs. Et cette chose-là, on me dit non. Par contre, oublie que j'ai des objets. Je lui ai piqué son urne. Et j'ai toujours cette espèce de pot de fleurs. Ouais, bah forcément, tant que je réfléchisse, il m'a trouvé. On va y arriver, juste prendre notre temps pour réfléchir. Et tant pis si on se fait
voir entre-temps. Parce que ici, je vois pas en fait comment on va pouvoir le passer. Il y a les crochets. Je vais m'installer. Sauf si j'y arrive pas. Il est un peu trop rapide pour nous. On va s'installer en haut et on va réfléchir. Donc, on se met là, là. Et on se met ici. Donc, je peux redescendre uniquement ici. Et j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose. Est-ce que je peux genre lancer les pots? Est-ce que je peux genre mettre ça par terre? L'idéal ce serait de pouvoir déplacer ça. Peut-être que Cubus y saurait. On va essayer de changer et prendre Cubus. Pareil, moi c'est très tentant de mettre un objet ici pour que ça se casse la gueule. Mais encore faut-il réussir à arriver jusque là. Alors si je me transforme en Cubus. Cubus il peut faire ça. Ok, Cubus il peut faire ça. Ah voilà, Cubus il peut faire ça. Bon, Cubus ils sont un peu plus malins, mais. On va pouvoir utiliser Cubus tout simplement en fait. Donc. Hop. Sois plus rapide, Cubus! Plus vite, plus vite, plus vite! Non, Cubus! Attendez, ok. Il nous met dehors. Est-ce que ça reste en position? Ça reste pas en position, bien évidemment, sinon ce serait trop marrant. Donc il faut poser, switcher, sauter. Redescendre et aller par là. Va par là, conne. C'est parce que tu veux pas toucher que. C'est qu'il nous voit pas. Ouais, si, si, il nous voit. Bon, forcément, il nous voit ici. Et je peux pas avancer plus. Tiens le bambou. Mais ça va être un peu compliqué. Donc. On a besoin de Cubus, qui nous prend ça, qui nous pose ça là. On se transforme en la fille, on saute, et on s'agrippe. Et toute la question est comment j'ouvre cette chose. Je vais pouvoir arriver de ce côté-là. Oups, je vais me retransformer en Cubus, j'ai mis ce clic. Forcément, ça risque d'être un peu long. Comment j'ouvre ce scaphandre ? Hop, je me transforme en Cubus, je prends ça, je le mets. Pas du tout, j'ai pas le temps.
Ah, pas facile. Pas facile, pas facile. On a la bonne idée, mais... il faut aussi le bon timing. Il s'enfuit. C'est ça. Et je suis de papa, donc c'est ma fille. Quoi? Est-ce que je peux l'assommer? Non, je peux pas l'assommer. Je peux pas faire tomber ça. Dommage. C'était presque tentant. Peut-être que je pourrais si j'étais pas en haut. On se faufile. Hop, on se retransforme et on saute. Donc, ça nous permet toujours pas voir ce qu'on peut faire par ici. Il y a cette chose avec laquelle on n'a pas pu interagir. Je vais le laisser partir un petit peu. Voilà. Être sûr qu'on... Donc, pas le réveil, pas là, pas la pile. Elle a eu l'air d'avoir une idée avec le piment. Mais comment je chope cette chose? Ouais, c'est ça. Elle a une idée avec le piment. Que nous dit notre journal de quête? Mais on ne peut pas l'ouvrir quand on est là, merci. Pas passé loin, on redescend, on se retransforme en cubus, et maintenant qu'on a eu notre idée, est-ce qu'on peut interagir avec ça? Je vais laisser passer la sentinelle. Et on va voir ce qu'on peut faire après. Bah oui. C'est pas évident ce qu'il faut faire. Elle a vraiment eu l'air d'avoir une idée avec ce piment. Mais pourtant, je vois pas dans l'immédiat ce qu'on peut en faire. J'imagine, je peux pas l'attraper. Je vais attendre qu'il refasse un aller-retour histoire d'être sûr d'avoir le temps. Ce serait un coup à devoir recommencer depuis le début, même si bon, on n'a pas avancé des masses. Voilà, il va repartir. Et on descend. On se transforme en cubus. On prend ça. On repose ici. On se transforme en la fille. Et est-ce que je peux... Non, je peux pas voir mon journal. Enfin, je peux voir mon journal, mais j'ai pas d'indice. On voit aussi qu'il a l'air de se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être magnétique.
Mais je vois rien de magnétique pourrait nous être utile. Je peux pas. J'imagine que là c'est parce que je suis en l'air. On va attendre qu'il repasse. C'est pas très palpitant, hein. On attend beaucoup qu'il passe. Je peux vraiment rien faire avec ça. Même pas ça ou ça. Non, et il va arriver et je vais me faire avoir. Crotte. Alors, est-ce que si je m'en vais, je reviens? Est-ce que Po est au même endroit? Quel Po est revenu là? Ah non, mais tu reviens pas déjà! Rapinaise, il revient déjà! Ok. On redescend, on se transforme en cubus. Je vois vraiment pas ce que je suis censé faire. Je vois bien que le piment serait plus ou moins à apporter ici. Ou l'inverse, hein. L'idée étant que on est les deux ensemble. Pas plus vite, Cubus! Ah bah oui, voilà! Et ici, y'a rien du tout pour m'aider. Ok, bon bah il va falloir réussir à passer cette sentinelle. Je vous avouerai que là c'est un peu compliqué. Je vois pas l'astuce. Ouais, peut-être. Non, on peut pas le faire quand on est là. Okay. On va peut-être cramer un indice tout simplement. Pour essayer de voir un peu. Ce qu'il faut faire. Alors, forcément, cramer les indices, c'est pas le plus simple. Ah, punaise. Et. Ouh. Ok, donc, il nous faut bien la fille. Pour sauter et Cubus pour récupérer cette chose là. Du coup, ce qu'il nous faut, ok, c'est sécurisé ici pour pouvoir grimper, d'accord, et ensuite on pourra utiliser notre poivron. Et l'électro-aimant pour ouvrir la chose. Oh mais punaise. Effectivement, j'y étais pas. Donc, première étape. On le laisse passer. Transforme.
on prend, on va ici, on se retransforme, on saute. On descend, on se retransforme, on prend, on pose ici. On se retransforme et on saute. On attend qu'il s'en va, parce que ça, il veut pas s'en aller. Donc, il s'en va, et du coup... On utilise le pot ici pour caler, l'urne ici pour caler, et je vois la sécurité et ressauter en attendant qu'il arrive. Je trouve ça quand même pas très stable. Et du coup, je peux pas grimper. Si je peux grimper, j'ai loupé quoi? Pourquoi je peux? Ah non, il y avait une histoire de table dans l'aide. Je l'ai pas vu pour la coup, la table. Descendre et regarder notre indice. Donc on a bien le pot de fleurs, on a bien l'urne, mais ça on l'a effectivement pas. Pas forcément. Oh, c'est relou ça qu'on se fasse choper pendant qu'on est avec notre conseil. Oui, parce que je me retrouve à pas tout à fait tout devoir refaire. Ok. Donc on descend. Cubus. Allez, Cubus, plus vite que ça. Saute. Saute. Cubus. Et on va jouer la sécurité en faisant ça. On va attendre qu'ils partent et on va réessayer. Parce que du coup, j'ai pas l'impression de pouvoir grimper. Mais je vois en même temps pas ce qui nous manque à partir de l'indice. Parce que... Bah oui, oh, mais tu peux pas grimper. Si je l'approche, elle peut pas grimper non plus. J'ai dû louper quelque chose. Parce qu'on voit bien que c'est pas tout à fait stable.
doit me manquer quelque chose. Et je vous avoue que je vois pas trop ce qui me manque. J'ai pas grand chose là. L'étoile de mer sert à peu près à rien. Ouais, il y a l'air d'avoir une histoire de table. Remonte, remonte, histoire qu'on se fasse pas avoir. Mais je vois pas de table dans ce tableau-ci. Et on peut rien caler de plus. Ça voudrait dire qu'on aurait loupé un autre objet à ramener. Je vais me laisser prendre, hein, tout simplement. Ce sera le plus simple. Il va nous mettre dehors. Donc il me manquerait visiblement une table. Je vais retourner par là. Oui, par là on a dit qu'il n'y avait rien d'autre. Ah, la table qui serait là. On peut la prendre. Non, non, mais Cubus. Ou celle-là? Comment j'y vais à celle-là? Ici, il n'y avait rien, me semble pas. Non, je vois pas. Je vois rien qui nous serait utile, hein. Je peux me tromper, mais je vois rien en tout cas. Donc on est ici. J'aimerais aller par là. Compliqué cette chose. Donc, si je vais par là. Et d'ailleurs, la taupe elle est toute bleue. Non mais attends, je vais cliquer sur la taupe. Oui, je sais, je suis jamais contente. Même en étant la petite fille, non. Ok, on a récupéré le tabouret. Parce que c'était en fait un tabouret. On va donc pouvoir recommencer. Donc la sortie, on a dit, c'est celle-ci. Maintenant qu'on connaît l'astuce, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc si tout va bien, ils nous ont remis, tout va bien. On va faire simple, on va y aller en douceur. On va le laisser passer, histoire d'être sûr d'avoir le temps, tout simplement. Voilà. Pof, il se retourne. Nous, on se transforme en Cubus. Et on prend ça. On se transforme en la petite fille. Et on se monte. On saute, Cubus, on porte, et petite fille, et on ressaute, vite vite. Voilà, on y est presque. On attend qu'il passe, bien évidemment.
Ça y est, il s'éloigne. Hop, je sors mon tabouret que je peux caler ici. Et du coup, normalement, ça y est, je peux grimper. Enfin. Allez, où les tapons en dessous ? Hop. Et du coup. C'est parfait. Sauf que du coup. Maintenant, il faut le mettre dans la petite machine, donc repasser de l'autre côté. Et réussir du coup à lui envoyer de l'air chaud, goût poivron, sur la tronche. On va donc attendre qu'il soit reparti pour redescendre. Si je pense que là on n'est pas trop en difficulté. Est-ce que je peux tenter? J'ai pas envie de tenter, hein, ça serait con de pas y arriver. On va remonter. Je préfère prendre mon temps. Même si du coup l'épisode commence à être un peu long. Et un peu sécuriser cette histoire. Parce que. Elle est pas tout à fait facile cette histoire. Allez, avance. Je puisse avancer aussi. Voilà. Il s'arrête. Il se retourne pas, je crois pas. Hop. Cubus. Va ici. On se transforme. J'avais peut-être même pas besoin de sauter. Du coup, je redescends. On touche à ça. On met le poivron dedans. Et du coup, on touche à ça. Ok, on n'a même pas besoin de le toucher. C'est à voir. Tout seul. Visiblement, ça le fait éternuer et chauffer un peu. Ah, il faut récupérer l'aimant. Ok, donc tout simplement, on en profite. On récupère le ticket. Ok, pas facile hein, cette petite énigme, enfin cette grosse énigme du coup. Écoutez, on va se laisser là, on fera la suite avec les 3 tickets la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!